Pour l'instant, vous êtes fier de ce que vous avez fait. Logique, c'était une grande victoire. Bravo. Alors quoi? Vous êtes venu ici négocier une espèce de marché. Vous croyez avoir toutes les cartes en main parce que vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce monde? Allez-y. À vous de jouer. Refondez-le. Éclatez-vous bien. Peignez des arcs-en-ciel ou firmament. Mais n'oubliez jamais que les hommes moutons ne vous suivront pas. Ils aiment mon monde. Ils ne veulent pas de cette sensiblerie. Ils ne veulent pas la liberté ni même le pouvoir. Ils veulent seulement qu'on les contrôle. Ils ont soif du confort de l'autorité. Et ça vous obligera tous deux à regagner vos petits cocons, inconscients et tout seuls. Comme tous les humains. Nous ne sommes pas ici pour négocier quoi que ce soit. Nous avions l'intention de rebâtir votre monde. De changer deux ou trois choses. J'adore l'idée de peindre des arcs-en-ciel au firmament, et toi? Pour rappeler au peuple ce qu'un esprit libre peut faire. J'ai oublié, c'est facile d'oublier. Avec lui, ça l'est. C'est certain. Il faudrait qu'il y réfléchisse.
Eh bien bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Maxence et Jordan. Eh bien bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Maxence et Jordan. Bonjour. Et aujourd'hui on va faire un nouveau concept qui est un mélange de deux concepts qui existent déjà. Le essayer de ne pas rire et le tout le monde veut prendre sa place. Il y a des gens de la communauté qui prennent du temps aujourd'hui pour venir essayer de nous faire rire. S'ils nous font rire, ils auront l'immense privilège de s'asseoir à côté de toi Jordan, juste ici. Mais si un abonné nous fait plus marrer que celui qui est assis avec nous, eh ben il prendra sa place. La personne qui est dessus, c'est un roi, c'est quoi? Ah, c'est le roi du rire, c'est le prince de la rigolade. C'est le prince de la rigolade. Ça j'aime bien le prince de la ouais, rigolade. Okay. Ça, c'est super. Ça, j'aime. À la fin de la vidéo, la personne qui aura passé le plus de temps assis avec nous ici gagne et remporte une surprise. Oh. Mais la personne qui est là, ce qui est sûr, c'est qu'elle, elle voudra pas partir. Il va essayer de nous corrompre. Il va essayer de nous corrompre, bien sûr. Cette vidéo est sponsorisée. LOL qui ressort, la saison 3, est disponible dès maintenant en exclusivité sur Prime Video, juste ici. Dès maintenant, ici. Pour rappel, c'est 10 humoristes et comédiens qui ne doivent pas rire, exactement comme nous dans cette vidéo, et qui ont pourtant un seul objectif, se faire rire les uns les autres. D'ailleurs, dans cette nouvelle saison, il y a plein de nouvelles personnes. Géraldine Nakache, Leïla Bekti, Jonathan Cohen qui est passé sur cette chaîne, Laura Felpin aussi. François Damien, Paul Pierre Linné, François Damien, Paul Mirabel, Virginie Efira. Et on en a oublié deux. Qui sortent de ce verre à l'instant. Hop. Voilà. Bref, c'est disponible dès maintenant sur Prime Video, LOL saison 3. Allez voir ça. Merci Prime Video pour le sponsor. Et est-ce que c'est clair pour non. vous? Non, est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Non, stop, stop. À partir de maintenant, les gars, plus aucun rire si ce n'est pas drôle. Est-ce qu'on passe au premier candidat? Ouais. Oui. Ouais. Allez, je me demandais, mais oui, on peut le faire. Le premier candidat peut rentrer. Bonjour. Oh putain, depuis tout à l'heure, je suis en mute, j'avais même pas grillé. J'ai un petit tour à vous proposer. Je vais vous demander de penser à un chiffre entre 1 et 100. Ouais. Vous pouvez jouer chez vous, vous aussi. Je vais vous donner à chacun un petit bout de papier. Ouais. Que je vous invite à ne pas ouvrir tout de suite. C'est pas un petit bout de papier, c'est une feuille entière. Alors. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars, là? Votre chiffre entre 1 et 100, vous en avez un chacun. C'est plus grand qu'un nombre entre 100. Je suis Patrick Sébastien. Faites vite ou je vous fume. J'aurai besoin que vous le disiez chacun votre tour. Vas-y, Maxence. 14. 26. 69. Bah, je vais vous demander de regarder dans les papiers qui y a respectivement devant vous. Alors, c'est pas... Qu'est-ce que c'est ça? Oh qu'est-ce non! Qu'est-ce que c'est? Il y a rien! C'est ouais. Encore une! Bah, ça me plaît qu'il y a rien. Ça vous a plu? Oui. C'était excellent, frérot. Comment tu t'appelles? Erwan. Il boit un petit café. C'est sorti ça de la poche. Qu'est-ce que tu fais? Allez, frérot? C'est bon. Non, viens, c'est viens, bon. Viens. Erwan, viens, viens. Allez, Erwan. Tu es prince de la rigolade jusqu'au prochain viewer. J'ai besoin de résoudre un mystère. Tu fais quoi dans la vie? Je suis psychologue. C'est bon? Je suis en études de médecine maintenant, mais ouais. Et... Erwan, je te nomme pour l'instant prince de la rigolade. Bien joué, Erwan. Bon, oublie pas, si quelqu'un nous fait plus rire que toi. J'aime toute la DA. En fait, la gestu, tout est bien. Tout est superbe. Alors là, faut faire très attention à ce qu'il vient de faire. C'est un siège éjectable, monsieur. Candidat suivant. Et prends le lead. Oh là, ça commence. Qu'est-ce mal. Que c'est que ça? Je sens pas. Une planche. Je sens pas du tout. Le slip sur la tête. C'est un classique, je connais. C'est un slip sur la tête. Oui. Il a fait un combo, frérot, c'est... C'est très impressionnant, c'est très drôle. Oh ah oui. Il est bon joueur de fou, Erwan. Mais c'est ciao. Et beaucoup d'absurdes, sans contexte. Ouais, mais c'est de l'absurde bien ficelé, jusqu'à la ceinture. La rallonge t'a trahi, pour moi.
J'ai trop senti l'absurde venir avec cette rame. Ouais. Ouh, j'aime coup, quand c'est dur. Je culpabilise un peu parce que il m'a demandé un peu conseil pour la ceinture. Oh. Non, je l'ai bien mis. C'est honnête. Merci Tony. Merci au revoir. À vous. Merci. Oh, ça me fait mal au cœur. Je suis désolé frérot, mais c'est le concept. Ouais, ce putain. Regarde, mais ouais, mais c'est vraiment un hypocrite. Erwan, je t'adore. Il va dégager dans deux manches maximum. Deux manches maximum. On passe au suivant. Bonjour. Monsieur, bonjour. Pourquoi il y a Philippe Lachaud là qui est venu? J'aurais juste besoin qu'on me tienne ma partition. Erwan, hein? Est-ce que tu peux? Oh! Elle commence déjà à déloger. Squeezie, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Non. Je sais. Ce qui me fait rire, c'est qu'elle est morte de rire. Mais c'est hyper dur de faire ça. Comment tu t'appelles? Lilian. Mathilde. Mathilde, t'as trouvé ça drôle ou pas, Erwan? Merci beaucoup. Merci Mathilde. Salut, merci. Bye bye. Est-ce que tu veux partir en... Mais c'est ça en fait qu'il fallait. Erwan, profite, hein, parce qu'à tout moment... Candidat suivant. Il a croisé son rival, t'as vu le coup d'œil? Ouais. Il se met des cocos pour chanter Mario. Des cocos. C'est des cocos, ça. J'adore le mot coco. J'aurais aimé que ça dure très longtemps. Oui, pareil. Je ne vous cache pas qu'après, ça fait un peu mal la tête à force. Ah, parce que... Pas sur candidat suivant, peut-être. J'ai jamais vu un prince autant à l'aise. Bonjour. Un verre d'eau. Bonjour. Un verre d'eau coloré en bleu. C'est tout. Voilà. C'est tout. Le débrief un peu trop rapide, moi, ça m'a dit. Le débrief un peu trop... Moi, perso, j'ai peur. Ouais. Bah, elle nous a bien eus. Merci, Arma. Tous les quatre. Elle nous a bien eus tous les quatre. Mais qui est ce mec? C'est pas qu'il a envie de ça va être très dur de te déloger. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez toucher mon nez? Oui, je pense. Fort, quand même. Tu m'autorises? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Je m'adore. Ah, y'a pas d'eau, ce non, y'a rien. Oui. J'ai toutes ces cartouches. Bah, je suis déconcerté. Est-ce que c'est la fin de la... Moi, ça me fait un peu rire, hein. T'es beaucoup trop à l'aise, hein. T'as deux doigts de perdre ta cour en Erwan. Ah, ah, ça avance. T'es fou, t'approches, c'est blanc. Non mais je bac, c'est que ça. La porte est là. Candidat suivant, s'il vous plaît. Faites-nous rire. Bonjour. Bonjour. C'est super impressionnant par contre. Est-ce que quelqu'un aime bien Star Wars? Moi je connais, ouais, j'ai vu Mandarin Land. Est-ce que quelqu'un a déjà joué à Mario? Mario Bros. Ouais, bah, bien sûr. Moi, j'aimerais Mario qui se retrouve au milieu d'une guerre de pistolets laser. Est-ce que c'est possible? Ouais, ça c'est vrai. Si j'essaye et que je réussis, est-ce que je prends sa place en soi? Pas sûr. C'est une bonne négo, une bonne tentative, mais pas sûr. Pas sûr. Allez, essayez. C'est juste que depuis tout à l'heure, on attend, on voit que c'est tout le temps lui le premier. Ah, c'est une attaque frontale, là. Attaque frontale. Donc, Erwan ne mérite pas sa place, tu veux dire? Si, en fait, si. Je suis désolée. Ah, donc tu viens de te faire une chance d'avis? Non, c'est bon. Mais je peux tenter de faire le truc. Hein. Ah bah oui. Elle est géniale. Moi, j'ai envie qu'elle s'assoie maintenant. Vas-y, Mario. Qui saute au milieu d'une guerre de pistolets laser. Et on ferme les yeux pour t'aider personne. Oui, on ferme les yeux. Attendez. Non. Super. Comment tu t'appelles? Tu nous as même pas donné ton prénom? Ah oui, Mariam. Moi j'ai beaucoup aimé les gars. J'ai adoré sa nonchalance. Oui, franchement, j'hésite. Je vous jure que j'hésite là. Regarde. Mais en vrai, c'est dur parce que je voulais dire depuis tout à l'heure, mais moi, Erwan, je m'y suis habitué aussi. Tu vois, c'est dur. Hein. Mariam, on est d'accord, les gars. Elle a pas été nécessairement plus drôle, mais l'ensemble de sa prestation, c'est phénoménal. Le paquet gentil. Le paquet gentil. La nonchalance, tout. J'ai l'impression que t'en as rien à foutre d'être là. Ouais, Mariam. En fait. Ouais. Et ça me régale. Non, Mariam, elle est chiante. Oui, vas-y, parfait. Moi, je vote Mariam. Ok, et vous? Ouais. Erwan, c'est le moment, les gars, c'est le moment des adieux. Oh, c'est lui qui sacre. Oh, il est digne. Il met de côté son ego. Il reste digne. Waouh. La
La princesse de la rigolade. Merci Erwan, merci pour tout. Bravo Erwan, tu pars en prince. Merci. Pas mérité. Bonjour. Hello. Bonjour. Je m'appelle Auron, je fais de la danse depuis que je suis tout petit et du coup aujourd'hui je suis venu pour vous faire des hacks. Des hacks, c'est quoi? C'est des mouvements de... C'est des hacks. Des hacks. Genre des hacks. Ah, le mot arabe. Ouais. Ah, mais c'est ok, mais moi à chaque fois j'ai besoin d'Amine et Billy. Jean-François Derek, moi j'avais. Je voudrais pas abîmer là. On part terre. J'ai rien. La vie de ma mère, j'aime bien. Comment il s'appelait déjà? Derek. Pourquoi tu te fous de ma gueule? Moi, il m'a dit. Non, la vérité... Bah, aucune vérité, tu danses avec des chaussures Prada. T'es juste venu drip et flex dans cette vidéo. Écoute, pour moi, t'es un perso de Tekken. Dans Tekken, je te sélectionne, je bats mon frère, je suis content, j'en fais une bonne vidéo. Mais ça va pas au-delà? Moi, pour moi, il est trop fort. Il fait trop rire. Le détail, justement, moi, à nouveau, ce que j'aime, c'est le détail. Le perso, il est trop fort. Il était là, il se faisait les paroles, il était dans le perso à fond. Et moi, il m'a eu. Mariam, ton avis? Mariam, dis-nous, parce que est-ce que c'est bon pour toi? Ou est-ce que bah oui, c'est tchao, ou est-ce que pour toi il mériterait de rester un peu? Moi je pense que tout le monde a raison dans cette pièce. Alors Mariam, tu dégages, bienvenue mon pote. Allez, on le sacre et ça passe au suivant, on y va. Attends, ils sont au sac. Sur nos terroines. Sur nos terroines qu'elle a. Non Mariam. Au revoir. C'est dur de les voir partir, hein, des petits poulains. Enchanté. Bonjour. C'était quoi ton prénom déjà? Auron. 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 Ouais. Et vous? Non, je déconne. Attention, ça commence très mal. Tu vas vite dégager, Auron. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est doux. Ah, vous êtes beau gosse. Merci. Toi aussi. Moi aussi. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut faire un petit pierre feuille ciseaux? Bien sûr. C'est rapide, un petit truc simple. Bah, qui tu veux? Vas-y, bah, compte Auron qui est là. Ok. Je voulais ça. Je suis désolé, je prends. En plus, il est tombé sur Auron, c'est ça qui est drôle. Ouais. Comment tu t'appelles? Yacine. Un classique de l'humour, intemporel. Il fonctionne à merveille, ce tour. J'ai bien aimé ton retourné, j'ai bien aimé aussi la cambrure, tout. C'était absolument parfait. C'est un 10 sur 10. Tu prends cette place. Candidat suivant, s'il vous plaît. Mais vous ne détrônerez pas Yacine qui a montré son cul. Bonjour. Bonjour. Si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter un talent. Vous n'avez jamais vu ça dans cette pièce, ici en France, ou même à l'international. Oh, prometteur. Putain. Je sais péter avec ma gorge. Oh non, il va gagner. Mon chat fait pareil. Oui, et après il gerbe. C'est pas possible. Mais c'est impressionnant. Je pense que tu viens de montrer ce qui se passerait si on pétait à l'intérieur de notre cul. Après, l'avantage, c'est qu'il y a le son, mais il n'y a pas les odeurs. Qui es-tu? Je suis Antoine. Antoine, je n'investirai pas dans ta start-up. C'est pas grave. Merci Antoine, merci pour tout. Je l'aimais bien, moi. Ouais, il était cool. Tu l'aimais bien? Tu l'aimais comment? Beaucoup ou... Tu voudrais qu'il te remplace? Yass, comment tu l'aimais bien? Bah, un peu. Antoine, on a une bonne nouvelle. Antoine, frérot, c'est fou ce qui se passe, mais Yass, il avait des regrets et il nous a dit qu'il t'offrait sa place, donc c'est le sacre d'Antoine. Bravo Antoine. Je veux pas un verbal plutôt? Antoine, tu sors, c'est fini. Mais désolé, il y a une erreur, c'est mal compris. Apple Watch. Ciao Yass, merci beaucoup. Voilà, magnifique. Allez, suivant. Alors lui. Le fait qu'il marque. Non, moi, c'est le regard après la prestation. Tous les timings étaient nickel. On sait même pas son nom, on est... Antoine, je suis désolé. Donne-moi ça, Antoine. Tu peux t'asseoir. J'ai tué et matraqué des enfants avec. Oh, je suis pas bien. Oh! Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est... Standing ovation! Standing ovation! Mais qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Bravo, bravo. Comment vous appelez, les gars? Moi, Tichy. Sanson. Je te l'avais peut-être retiré trop tôt, mais finalement, je pense que j'ai bien fait là. Quel bâtard!
Candidat suivant. Candidat suivant. Ça va éclater. Au revoir. Ah ouais. Comment tu t'appelles? Ellie. Bah, je fais de la musique aussi, je fais des prods plutôt, et ça tombe bien vu que vous faites tous les trois de la musique. Vas-y, on t'écoute. Hop là. T'as chaud? Pourquoi t'as téléchargé ce qu'il y a sur le disque dur du monteur des vidéos, Tom Meunier, juste là, qui met dans tous les montages. Je te suspecte d'avoir piraté son ordi là. Tu viens de ruiner le montage. Qu'est-ce que c'est que ça là? J'ai beaucoup aimé, ça m'a fait gaulerie. Mais je trouve que dans le cas de Samson et de son garde du corps, c'était mieux maîtrisé. Merci Ellie, merci mon frérot. Candidat suivant. La question co. La question I. C'est la question coquine. On m'avait dit qu'il y avait un pain d'épices à graille. Nous voici. Ma blague, c'est pas moi qui vais la faire, c'est Pascal. Donc je vais vous demander de m'aider à le faire apparaître. Donc d'abord, il faut que je gonfle un ballon. Oh, Pascal. 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 Est-ce que vous pouvez faire un petit cri pour le faire apparaître? Attention, attention. Voilà, Pascal. Je sens que t'as le nombril un peu sec, Pascal, tu veux t'hydrater? Ça marche, pas de soucis. Hop, pas trop. On oublie que c'est un nombril, pas une bouche. Pascal, t'es motivé pour faire du beatbox? Non, pas trop. Je vois que tu m'oublies de temps en temps, tu vas à la salle, donc ça me gonfle un peu. Pascal, c'est une nouvelle émote de ma chaîne Twitch. Ça marche, Pascal. Si tu veux pas faire de beatbox, je vais te parler deux secondes. Hier, on s'est tapé un taco XXL, donc si tu veux pas te gonfler, si tu te dégonfles, je te regonfle. Je suis fan de lui. Désolé, celui-là, il est un peu... Qu'est-ce que c'est? J'ai un autre ballon. Ah. Il a un blaze? Qu'est-ce qui se passe? Il a un blaze ou pas? Il a un blaze, c'est que... C'est le détonateur. Non. Je vais faire sauter Pascal devant. Arrête. Non. Ah, non, 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 non. Je le fais sauter ou pas? Pascal, il saute. Ouais, bon. Pascal, il saute. Pascal, il saute. Oh non. Pascal. Je rêve où il a dit fin. Tu l'as dit fin. Moi, c'est le fin qui m'a eu. Bon bah, Samson, on est désolé. Ouais, Samson, les gars. Mais les gars, c'est pas désolé, mais là, j'avoue qu'il y a eu tout un effort de... Est-ce que tu peux mettre la couronne à Pascal? Ça lui donne un petit flow, hein. Voilà. La vérité, hein. Voilà. Merci, Samson. Merci, Samson, désolé. Merci, les gars. Non, franchement, on est dans le mot. Tu l'as dit, t'es morte. Ça m'énerve. Oui. Oui. Ah, il siffle, ça va pas. Il a un fusil. C'est Mesmer. Merci. Vous l'aurez remarqué, je suis mime professionnel. De mon côté, je suis brut à trop. Si on est devant vous, c'est parce qu'on a quelque chose à vous proposer. Vous nous proposez une situation, et nous, on la bruite, on la mime, et ça, c'est rire assuré, les mecs. Super, on revient vers vous rapidement avec une situation. C'est pas ton Pascal. Qu'est-ce qu'on va faire comme situation? Moi, je trouve qu'ils sont deux personnes, donc on va essayer de leur demander. On leur demande de faire, je sais pas, un sketch où ils se battent. Je pense qu'elle n'en dit pas plus. Pascal, on va déjà faire ça. J'aime bien la violence. Non, bah non, Pascal, non, on peut pas faire très violent. Oh, c'est toi, bonhomme. Pas de soucis, ok, merci, père. Alors, vous allez devoir incarner une scène dans laquelle Mario, le personnage emblématique, bien sûr, de la licence Nintendo, se balade et doit se battre au milieu d'un champ de Jedi qui se battent au sabre laser. Et au pistolet laser. Le pistolet laser. Et qui détiennent la princesse... C'est Peach, mais... Peach, oui. Peach. Allô? Oui.
M'a bien aimé. Frérot, on aurait dit un hamster dans ta prestation. Les bruits de pieds m'ont plus dérangé. Ouais, c'est pas de ma faute. Alors c'est notre faute ? Non, attendez. Non, c'est pas ce que je dis. C'est la faute à lui ? Oui, c'est ta faute. Bien sûr que oui, c'est ta faute. Parle mieux de Pascal, toi. Qu'est-ce que Pascal a à voir là-dedans, là ? J'ai l'impression d'avoir vu un film en 2D pourri. Oh ! Éliminé ! Non ! Candidat suivant. Et je lance la chance. Pardon ? Non, pardon. Vous voulez pas déconcentrer. Je vais vous lire des blagues. C'est l'histoire d'un... Pardon. C'est... J'enchaîne. Ok. C'est trop fermé. Pardon, je prends un traitement, mais je l'ai pas pris ce matin. Pardon, je... J'avais peur. J'ai tout kiffé, moi. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Théo. Théo, on l'a dit 1000 fois dans cette vidéo, le premier qui fait un truc maîtrisé autour du prout, il gagne instantanément. Théo, tu as manié avec une aisance incroyable ce jeu de contraste entre ta personnalité qui semblait être tout timide, tout réservé, tout calme, et ce showman que t'es en fait à l'intérieur de toi. Il a relâché la pression, franchement bien joué. Ta gueule, Pascal. On t'a pas demandé la parole, Pascal. Pas de soucis, vous manquez pas d'air. Jordan, t'as bien résumé le contraste avec ce côté premier de la classe. Oui, c'est vrai. On s'est dit, oh, il va nous lire des vannes. C'est vrai. Vu, revu. Le timing, ouais. Il est calé son mot pile sur le P. Je ne sais pas comment il a fait. Ouais. Il a dû s'entraîner des heures. Gars, ouais, honnêtement, Pascal, tu vas me manquer de fou. Pascal. Tu vas manquer... S'il te plaît, me regarde pas, Kevin, quand je rentre. Oh, Pascal. Bisous. Pascal, rentre bien, fais attention sur la route. Ah oui, si ça marche. Je prends la départementale, ça marche. Concentre-toi, Pascal. Bisous, Pascal. Je prends ton numéro, d'accord? On dirait un exercice de cours de théâtre. Ah, c'est essayer de ne pas rire en live, ok. Si l'un de nous, à partir de maintenant, si l'un de nous rigole, elle s'assoit. Si c'est elle qui rigole, ça saute. Ah, mais attends, elle pleure. Je pleure. Tu pleures. Mais elle pleure pas. Oh non, elle va nous avoir, c'est sûr, elle va nous avoir. Oh non, c'est sûr, Théo, je suis désolé. Wow. Théo, elle pleure, elle rentre dans la place. Mais oh, chelou, lui, qu'est-ce que tu fais alors? Je me suis senti partir. Non, mais en fait, c'était juste que j'arrivais à... te dire longtemps sans cligner des yeux. Et c'est pour ça que tu pleures. On passe à côté de tous les talents. Vous avez tout fait sauf ça, genre. C'est moi qui dis, j'annonce. C'est toi qui annonce, ouais. Je viens, tu ne prendras pas la place de Théo aujourd'hui, je suis désolé, tu peux sortir. Au moins j'ai essayé. Je me sens si mal. Vous avez... La regardez pas, la regardez. Mes pleurs dans votre conscience. Oh bon, oh, putain, elle a pas tort. C'est ciao. Ah non! Ah, il a raison! Non, mais il a raison. Hey. Vous savez, les gars, j'étais en train de me dire qu'Erwan me manque des fois. Moi aussi, j'étais en train de me dire pareil. Non pas que j'aime moins Théo, mais j'étais en train de me dire pareil. J'aimais bien Erwan. Ouais, sa présence, elle est rassurante. Sa présence, elle va tout l'inverse. Candidat suivant! Bonjour. Il a déjà vu ça? Il a volé le numéro d'un autre gars? Chut. Écoute, et apprécie ce qui va suivre. Faire. J'arrête quand vous voulez, hein. J'arrête quand vous voulez. Comment tu t'appelles ? Jean. C'était magnifique. Hein. Ça m'a fait penser à Pascal. Oh Max. Mais t'es... Mais c'est toujours pareil. Max. On a vécu... On
Max, on a vécu des bons trucs. Moi aussi, il me manque Pascal. Mais non, mais les gars, faut que vous vous rappeliez du meilleur. Bon, je suis désolé, je sais pas ce qui leur prend, ils sont... Bah, tu les as fait chialer, quoi. C'était l'inverse, le but. Enfin, là, regarde, y a pas marqué ne pleurez pas, là-haut. Ils pouvaient pas savoir, c'est un bel hommage. Non, c'est un bel hommage. Jean, si le concept, c'était ne pleurez pas, là, t'aurais gagné. Oui, mais... Mais malheureusement... Écoute, l'art, c'est fait pour ça. Il y a des choses qui font exprimer plein d'émotions, c'est subjectif. Il y a des gens qui vont être hilar devant une œuvre, être effondrés, ça leur fait penser à quelque chose. C'est ça qui rend la chose universelle. Ton art universel, c'est très beau. Je pense que tu t'es trompé d'émission. Je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que c'était une prestation extraordinaire. J'ai adoré. Mais qui est loin de nous faire rire de par l'émotion qu'elle transmet. Ça, c'est une belle phrase. Ça. Bisous, Jean. Envole-toi. Bisous, Jean, merci. Envole-toi, mon ange. Théo, tout se joue maintenant. C'est l'heure du dernier candidat. Bonjour. 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 Je suis mentaliste. On va tester un petit tour. Quelqu'un qui peut potentiellement être réceptif, toi, tu peux venir. Oui, viens. Je suis réceptif. Les gars, je suis réceptif. T'es réceptif. Vas-y. Salut. Alors, tu vas penser très fort ouais. À une personne que... T'as pas vu depuis très longtemps, tu vas penser à son prénom. Ok. Je vais dire l'alphabet, dans l'ordre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans une des lettres que j'ai dit, il y a la première lettre du prénom. Oui, monsieur. Ta couleur préférée? Quoi coubé? Oui. Bleu. À trois, vous allez dire le prénom à haute voix. Et à trois, je vais leur montrer le panneau. Un, deux, trois. Marino. Xulubu. Chute. Ok. Ce n'est pas Xuxblu du coup. Non. Vous pouvez retourner vous asseoir. Le fait que ça fasse juste non et il vous pouvez retourner vous asseoir. C'est ça qui m'a tué. J'arrive à douter et de me dire que peut-être il est vraiment mentaliste. Non, tu veux que je te dise ce qu'il est ce gars? Moi j'en ai vu des gens avec des métiers défilés. Ce type, il est kiné. Vas-y, fais craquer un doigt, je sais que tu sais le faire. Vas-y. Ah, il l'a fait. Ça craque tout seul. Mais t'es très fort pour ça. C'est vrai ou pas? Vous êtes mentaliste. En effet. Oh, le reveal, c'est incroyable! C'est fou ce qui se passe. Ah, vous le connaissiez avant? C'est l'imposteur. Bien joué, on les a mis! Ils sont très forts! Oh, on les a baisés, bien joué, mon frérot! Théo, t'étais dans le truc! Il est pas du tout mentaliste, il est kiné! Comment il vous a baisé? Nassim, c'était très gaulerie. Toute cette prépa pour une chute si faible, ça m'a fait beaucoup rire. Ça ne valait pas la prestation de Théo. Mais c'est ça! C'était un vrai cours de théâtre qui nous a fait Théo. T'enflamme pas, toi. Nassim, tu es accepté. dehors. Les amis, j'ai l'impression qu'on a un grand gagnant. C'est Théo qui remporte cette première édition du essayer de prendre sa place, qui rigole, rigolera le dernier. Quoi, Coubert? Ça marche à tous les coups, elle est géniale, cette blague. Théo, tu as l'honneur de pouvoir repartir avec la chaise sur laquelle tu es assis. Bravo. Lève-toi, regarde. Lève-toi, Théo, tu vas être subjugué. Hop là! Théo, assieds-toi dessus, c'est le tien maintenant, mon pote. Et voilà! On espère que t'es content! Donc, c'est une chaise collector, c'est la chaise de la première édition. Rassure-moi, t'es du coin? Du point Coubet? Non, mais tu vas devoir prendre un train? Ouais. Ah, cool. Où? Pour aller où? À Lille. Avec un cadeau empoisonné. On réaccueille tous nos candidats, les gars! Merci pour votre participation, merci beaucoup! Ouais, Pascal! Il a ramené Kevin! Putain, il vient toujours avec Kevin! Qui est fier de lui? Et pour être venu là et faire ça, c'est un truc de ouf, les amis! Désolé, des fois on a été dur et tout, c'est genre c'est le concept où c'est mi-cringe, mi-cool, mi-on-te-recalme, mi-machin. Donc bravo à vous et faites du bruit pour vous! Voilà! Merci beaucoup! Merci Max, merci Jordan! C'est un plaisir! On finit sur une prestation hors norme. C'est Mathilde, Jean et Lilian qui vont nous faire bye bye. J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois Prime Video qui a sponsorisé cette vidéo. Souvenez-vous, LOL Kiri sur saison 3 disponible maintenant. Et nous vous écoutons tous. 3, 4. Merci les amis.
Je rêve de toi, je ne pense qu'à toi. Mais je te dis bye bye, bye bye, bye bye si tu fais du sage. Suite à la faillite de la banque Silicon Valley Bank aux États-Unis, le régulateur, après consultation de la présidence des États-Unis, a pris la décision de mettre en place un plan pour renflouer cette fameuse banque et garantir les dépôts de ses utilisateurs. Voici la balance sheet de la Fed et comme vous pouvez le voir, il y a eu naturellement un plan de liquidité qui a été mis en place. Très rapidement, ça a créé de la détente sur les taux obligataires, c'est-à-dire que l'investissement sur les obligations d'État aux États-Unis sont devenus moins rémunératrices. Cette détente et ce plan de liquidité a eu de grosses conséquences. Premièrement, ça a créé un coût d'opportunité. C'est-à-dire que si les obligations d'État sont moins rémunératrices, les investisseurs vont avoir tendance à prendre plus de risques et à aller chercher du rendement sur d'autres classes d'actifs, comme par exemple les marchés financiers, les métaux précieux ou pourquoi pas les crypto-monnaies. Et ensuite, il y a également le coût du capital. Le fait que les taux d'intérêt directeurs baissent, ça va donc permettre aux banques commerciales de proposer aux entreprises d'emprunter à moindre coût. Ces entreprises vont donc avoir de nouveau accès à de l'emprunt plus facilement, en tout cas de l'emprunt moins cher, afin de pouvoir elles-mêmes investir sur leur développement et sur leur croissance. On parle de coût de capital parce qu'il devient moins coûteux finalement d'obtenir du capital pour ces différentes entreprises. Donc vous l'avez compris, cette situation a fait qu'il y a eu plus de liquidité investie vis-à-vis de différents marchés à risque, notamment des crypto-monnaies et donc de la liquidité entrante. Mais ce n'est pas tout. Durant cette période, le Bitcoin a commencé à se décorréler des marchés financiers. Depuis une longue période, notamment depuis qu'on avait quitté le bull run et que les crypto-monnaies commençaient à perdre de la valeur, le Bitcoin était plutôt corrélé aux marchés financiers. Quand les marchés avaient peur, notamment suite à une augmentation des taux directeurs des banques centrales, le Bitcoin lui aussi réagissait à la baisse comme le marché. Or, depuis quelques jours, le Bitcoin semble avoir changé de cap et s'est décorrélé des marchés financiers. Et en opposition aux marchés financiers, il a pris beaucoup de valeur et a réagi plutôt comme l'or, c'est-à-dire plutôt comme une réserve de valeur. Vous le savez peut-être, bien qu'il soit très volatile, le Bitcoin est considéré comme une certaine réserve de valeur, notamment due à sa supply qui est limitée. On ne peut pas imprimer plus de Bitcoin, on ne peut pas créer plus de supply et de Bitcoin en circulation. Beaucoup opposent Bitcoin à la finance traditionnelle et à ses différents abus et expliquent que le Bitcoin est une monnaie libre qui fonctionne différemment et qui ne peut pas être dupliquée, multipliée par une banque centrale. Naturellement, quand il y a des problèmes sur la finance traditionnelle et dans le monde bancaire, certains font le parallèle direct avec les valeurs de Bitcoin et se disent que c'est justement l'une des raisons pour lesquelles il a été créé et l'une des raisons en tout cas pour lesquelles les gens le détiennent et le conservent durablement dans leur portefeuille. Attention malgré tout, certains sont déjà là à dire que c'est la fin du monde bancaire et que le système va s'effondrer et que Bitcoin prend de la valeur pour ces raisons. Ça vient peut-être renforcer les convictions de certains détenteurs de Bitcoin. En attendant, le marché des crypto-monnaies c'est 1170 milliards de dollars. S'il y avait un vrai effondrement de la finance traditionnelle et que les crypto-monnaies venaient absorber ces flux, on n'aurait pas un Bitcoin qui aurait pris 8 ou 9 000 dollars en quelques semaines. Il aurait pris des centaines de milliers de dollars en très 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 peu de temps. Rappelons que le marché des crypto-monnaies est un tout petit marché et qu'il a une capitalisation ridicule en face de tous les autres actifs. Ce sentiment de confiance semble justement attirer les crypto-monnaies et leur faire prendre un petit peu de valeur et redonner de la confiance aux investisseurs. Malgré tout, il ne semble pas encore qu'il y ait une aspiration massive de flux, comme certains semblent déjà l'annoncer sur Twitter et sur les différents réseaux sociaux. Par contre, ça reste intéressant à étudier. Déjà, c'est pas l'entièreté des crypto-monnaies, c'est bel et bien Bitcoin qui prend le plus de valeur. Généralement, quand Bitcoin saisit une hausse, elle est un peu plus faible que les autres altcoins, autres crypto-monnaies, qui elles sont plus volatiles. En l'occurrence, c'est Bitcoin qui surperforme la plupart des autres crypto-monnaies. Comme quoi, c'est bel et bien pour ses valeurs et les fondamentaux qu'il porte que les gens investissent sur Bitcoin en ce moment. La deuxième chose, ça s'est fait en quelques étapes, que ce soit quand il y a eu l'annonce de la Silicon Valley Bank qui serait couverte justement par la Fed, mais également quand il y a eu d'autres dispositions à l'échelle du pays, quand il y a eu l'annonce finalement de FedNow, un système qui permettrait d'échanger très rapidement de la liquidité entre établissements financiers, ou encore il y a quelques heures quand il y a eu l'annonce du rachat du Crédit Suisse par UBS pour 2 milliards de dollars. Pour certains, ça semble être juste un rachat, mais il faut comprendre que UBS rachète pour 2 milliards de dollars un établissement qui en valait presque 3 fois plus il y a de ça quelques semaines. Quoi qu'il en soit, ça semble être une situation d'urgence qui a été mise en place pour ne pas que Crédit Suisse sombre, et ça ne semble absolument pas être une acquisition normale d'un établissement bancaire à un autre. Au contraire, c'était bel et bien pour éviter une situation critique. Que ce
soit donc aux États-Unis, en Suisse ou dans d'autres pays, parce qu'il y a déjà des dispositions qui sont prises, même en Europe, alors que pour l'instant, il ne semble pas y avoir de gros problèmes, si ce n'est les actions de nombreuses banques qui perdent de la valeur en bourse. Comme cette situation se fait de façon crescendo et qu'il y a de plus en plus de peur et d'incertitude sur les marchés, ça vient donner un soutien à travers les jours et les semaines au marché crypto. Voilà pourquoi, depuis maintenant une dizaine de journées, le Bitcoin et l'ensemble des crypto-monnaies se sont valorisés. Alors maintenant, je vais vous demander votre attention, s'il vous plaît, parce que ceci est un disclaimer. Vous le savez très bien, je ne suis pas un trader professionnel. Je suis un investisseur, je prends des positions que je tiens 2, 3, 4 ans, basées sur des convictions de la technologie blockchain, mais également mes connaissances de ces différents fondamentaux. Le trading, c'est quelque chose de risqué, encore plus sur des actifs aussi volatiles que les crypto-monnaies, et je le déconseille à tout débutant. L'impression de facilité de ce monde est d'autant plus dangereux. Et le fait que l'on trouve un peu partout des tutoriels qui vous montrent comment investir votre argent dans l'après-midi n'aide pas à être raisonnable. Malgré tout, ceci n'est pas un conseil d'investissement. C'est donc avec de nombreuses convictions, mais avec strictement aucune certitude, que je vais répondre à quelques-unes des questions qu'on me pose le plus souvent. Un débutant me demande si c'est le moment d'acheter du Bitcoin et s'il n'y a pas une possibilité que le Bitcoin s'envole et prenne de très très grosses valeurs, comme par exemple les 100 000 dollars qui ont été annoncés par le CEO de Messari ou encore 1 million de dollars par je ne sais pas qui. Déjà, il faut comprendre que vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dit que ça va monter très haut et toujours quelqu'un qui vous dit que ça va descendre très bas. Je réponds donc à la personne qui m'a posé la question et qui est débutant. Je déconseille fortement à un débutant d'essayer de prendre ce mouvement. Déjà, il est très virulent. Il est venu d'un coup et très peu de gens l'avaient vu venir, même si, après coup, il y a toujours des gens qui vous diront que c'était prévu. Prenez du recul. Si je vous déconseille d'investir maintenant, c'est parce que non seulement il y a réellement des chances que la situation se calme aux États-Unis et ailleurs dans le monde d'ailleurs, et que les crypto-monnaies reperdent de la valeur. Mais même s'il y a la nouvelle que vous attendez, même si la situation s'aggrave et que les crypto-monnaies prennent énormément de valeur, il ne faut pas simplement être capable d'acheter du Bitcoin et de saisir une hausse. Il faut être capable de revendre afin d'enregistrer des bénéfices. Et donc, premièrement, je déconseille à un débutant de rentrer sur un mouvement aussi fort que celui-ci. Quitte à investir, il faut investir sur du long terme, commencer par du DCA, commencer par se renseigner et absolument pas essayer de faire le trader qui parie pile ou face à la hausse ou à la baisse, et surtout sur un mouvement aussi rapide où l'enjeu ne sera pas uniquement d'acheter mais également de savoir quand vendre. Pour être franc, je n'ai pas ce recul, je n'ai pas cette expertise et je serai donc hypocrite de vous dire oui, achetez du Bitcoin maintenant. Si vous êtes un investisseur long terme et que vous vous intéressez à cette technologie et à ma chaîne YouTube depuis longtemps, vous accumulez déjà du Bitcoin depuis des mois, voire même des années. La plupart d'entre vous ont recommencé leur accumulation à partir des 30-35 000 dollars et ont même continué à accumuler des Bitcoins quand il est passé en dessous des 20 000 dollars. Aujourd'hui, si vous en détenez, vous avez déjà profité de cette valorisation. La deuxième question qu'on me pose le plus, c'est justement dans le cas de ces abonnés qui ont accumulé de la crypto-monnaie quand elle a perdu de la valeur et qui me demandent aujourd'hui « Owen, est-ce qu'il faut vendre ou est-ce qu'il faut tenir la position et tenir les crypto-monnaies qu'on a achetées ?» Là, encore une fois, ça va dépendre de votre situation. Et ça va également dépendre de la situation que vous avez vécue quand le Bitcoin est descendu à 16 000 dollars. Énormément de personnes qui en achetaient et qui en accumulaient l'ont vu descendre très bas, se sont inquiétées et ont même paniqué. Certains ont revendu en se disant que ça pourrait descendre plus bas. Évidemment, c'est toujours le cas. Et d'autres se sont demandé, est-ce que c'est pas justement le moment d'être capable de recharger ? Quoi qu'il en soit, si vous avez réellement paniqué et si vous vous êtes fait peur quand le Bitcoin était à 16 ou 17 000 dollars, c'est que vous aviez trop investi. Le fait que vous ne soyez plus tranquille, le fait que vous ne soyez plus serein, c'est que vous étiez probablement trop investi dans le monde des crypto-monnaies. Si vous avez eu ce sentiment-là quand le Bitcoin était proche des 16-17 000, peut-être que cette fenêtre de tir pour vendre du Bitcoin autour des 28 000 dollars est une opportunité. Non pas pour tout vendre, mais pour alléger un petit peu votre portefeuille, vendre un petit peu de vos Bitcoins, récupérer un petit peu de liquidité. Si le marché continue à décoller, vous serez confiant, vous aurez simplement allégé un peu votre position. Et si le marché replonge de plus belle, non seulement vous serez plus tranquille, parce que vous aurez sécurisé une partie de votre investissement, et en plus de ça, si vous décidez d'en racheter et que vous avez de nouvelles convictions parce que le prix redevient abordable, vous aurez de la liquidité pour vous repositionner. À l'inverse, si vous n'avez pas eu ce moment de panique et que vous étiez encore prêt à racheter du Bitcoin plus bas, à ce moment-là, conservez simplement votre position. L'investissement dans le monde des crypto-monnaies est volatile, risqué, mais quand vous rentrez en connaissance de cause et que vous investissez de l'argent que vous êtes évidemment prêt à perdre, à ce moment-là, vous pouvez tenir cette position et pourquoi pas aller chercher une chandelle plus haute ou au contraire, maintenir durablement votre position au cas où la situation aux États-Unis et à l'international s'accélère et que le système bancaire déraille encore plus, potentiellement en offrant une opportunité sur le marché des crypto-monnaies. J'ai essayé de contacter quelques analystes techniques, vous savez que j'en fais pas du tout. Globalement, la plupart sont d'accord pour dire qu'il faut surveiller sur Bitcoin la zone des 28 500-29 000 dollars. Si cette zone est durablement brisée et que cette résistance redevient un support, il est possible que le Bitcoin prenne de la valeur et se dirige rapidement vers les 35 000 dollars. A l'inverse, le point qui est très surveillé pour savoir si on sort de cette fameuse tendance haussière en daily, c'est le fameux 24 500-24 700 dollars sur Bitcoin. C'est les deux points qui sont regardés, que ce soit au-dessus ou en dessous du cours actuel, pour justement confirmer une accélération
stagnation et une hausse, ou invalider cette hausse court terme et annoncer le retour vers des plus bas. Je ne vous en dirai pas plus d'un point de vue technique, c'est tout simplement pas mon métier. Je remercie Xavier Fenot qui m'a donné ces quelques informations, mais je vous mets également en description le nom de plein d'autres personnes qui ont une expertise plus poussée que la mienne. Que ce soit Vincent Gann, que ce soit Rodolphe Stéphan, ou encore des analyses crypto de Cryptomatrix en passant par les Gaitrain Academy et quelques autres qui sont assez suivis sur la toile. À vous de faire votre jugement, mais je vous le rappelle, surtout si vous êtes débutant, ça paraît facile et ça ne l'est pas, et surtout, que ce soit mon avis ou que ce soit l'avis de certains traders, quand ils vous font part de leur position, ils vous donnent un screen, une photo à l'instant T, de leur conviction en fonction d'un faisceau d'indices. Peut-être que 5 heures ou 10 heures après avoir tourné leur vidéo, ils vont recevoir un nouvel indice et ça va modifier leur position. Ils sont également agiles et capables de se repositionner. Si vous prenez leur conviction dans une vidéo, mais que vous ne les suivez pas, si vous n'êtes pas attentif à ces nouveaux faisceaux d'indices et à leur nouvelle position, vous pouvez vous positionner à l'instant T comme eux, mais vous pouvez manquer un virage que eux ne manqueront peut-être pas. Soyez donc prudent, prenez du recul, renseignez-vous, c'est ce que je vous conseille. Et dans le doute, quand c'est aussi virulent, vous pouvez lever les mains du volant. On n'est pas obligé d'essayer de surfer toutes les vagues, toutes les tendances, surtout quand vous sentez qu'elles sont très fortes, comme celles que nous sommes en train de vivre. C'était Asher, prenez soin de vous. Un petit pouce bleu, un abonnement, un commentaire, j'attends vos retours. Et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube, mais également sur ma chaîne Twitch et sur ma chaîne secondaire. Au revoir. Au revoir. Bah c'est celle que j'ai vu en parler. Et en parler en... intelligemment, parce que... En vrai, je pense que c'est pas le moment d'investir. C'était un peu plus le moment d'investir avant, mais là, c'est peut-être un rebond, en fait. C'est ça, le problème. Ça se trouve, c'est plus qu'un rebond, mais... Et je suis pas trader en crypto, machin, donc j'en sais rien. Après, comme il dit, ça dépend, quoi. C'est sûr que le mieux à faire, c'est ce qu'il faisait, là. Je sais plus c'est quoi le nom de la technique, mais c'est-à-dire de... Tu prends genre 1%, même pas, tu prends genre... sur 100 balles, quoi, par exemple, tu prends 10 balles. Que tu mets... c'est juste un exemple, hein. Si tu dois commencer... Comme il disait, si tu dois commencer, bah tu prends 10 balles que tu mets tous les mois, et puis voilà quoi. T'accumules, t'engranges. Tu utilises comme un livret quoi, entre guillemets quoi. Et tu revends pas si t'es en perte, bien sûr quoi. Ou comme il dit, si t'as besoin d'argent et que t'es dans la galère, ouais, tu revends. Et encore, normalement, faut pas. Faut vraiment pas toucher. Pas toucher jusqu'à que ça soit une bonne plus-value. Quoi. Pour ça, il faut que tu gardes quand même de l'argent pour vivre. Après, si t'as plus que ce qu'il te faut pour vivre, tu dois investir. Sûr que autant investir, autant mettre un peu de sous, comme il disait, dans un stablecoin. Diversifier un peu, quoi, mais... Bon, on va se faire Walking Dead, on va voir si ma base a été détruite. Je pense que ma base a été détruite. Je pense. Si c'est possible de jouer, hein, ça se trouve, c'est même pas possible de jouer. Hier, le serveur est bugué. Mais j'aurais bien voulu jouer avec mon pote, mais je me suis connecté trop tard, quoi, vu que je suis à travers cadré. Il est parti. Ouais, il est parti. Ah, ils me font recommencer à zéro? Ok, il y a une mise à jour et tu recommences à zéro en fait. C'est cool. Ou pas.
Peut-être que je recommence pas à zéro. Tu recommences à zéro que si tu changes de perso, j'en sais rien. Non, il me faut pas recommencer à zéro. Oh non, ça va, elle a tenu. J'aurais dit plus, moi j'aurais dit qu'elle aurait... Putain, par contre, elle a pris cher. Par contre, elle a pris cher la base. Tiens, je suis en train de penser, je peux me regarder des petites vidéos. En même temps que je joue. C'est un jeu où tu peux faire ça, je pense. Ouais, il y a un truc, mais il reste Daytrack, il reste que 10 minutes, quoi. Même pas. Mais il y a un truc, hein. Ça veut dire que c'est solide quand même, hein. C'est cool. Je sais pas si c'est le drapeau ou si c'est le truc. Non, c'est le drapeau qu'a pris. C'est le drapeau du QG. Faut que j'améliore. Pas moyen de le réparer. Je peux le démolir, mais je peux pas le réparer. Suite à la faillite de la banque Silicon Valley Bank. Tiens, on va se regarder un zap crypto.
Crypto. C'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous, les zappeurs et zappeuses. Bonsoir la cryptosphère. Alors avant de commencer, sachez que je suis désolée pour la sortie des apps un petit peu tardif en ce moment. Je suis un chouïa débordée et comme vous avez pu vous en rendre compte, il manquait même mon intro dans le dernier zap. J'ai été plutôt surprise de votre réaction. Comme j'expliquais dans le Telegram, je me questionne souvent sur la pertinence de ce petit extrait. Au fait, je vous mets le lien du Telegram en haut à droite. Et finalement, je me rends compte que tout comme moi, vous vous y êtes beaucoup habitués. Alors désolée, j'étais juste pris d'une énorme fatigue et j'avais qu'un souhait, c'était sortir le zap. Alors avant de débuter, le Fear and Greed risque d'être un petit peu long aujourd'hui et le zap tout autant. Alors si tu es pressé, sache que tu as tous les timecodes dans la description juste en dessous pour que tu puisses naviguer le plus rapidement possible. Et ainsi, aller à l'essentiel. Avant de passer à notre Fear and Greed Index, on va passer à tous nos gagnants tirés au sort lors du dernier live. J'en profite pour remercier tous les zappeurs et zappeuses qui étaient présents. Comme d'habitude, on a passé un super moment. Et grâce à un streamer dénommé Scalper, on a même pu atteindre les 150 viewers pour la première fois. Allez, on passe au premier gagnant qui est Petit Lourson qui avait clôturé l'ancien tirage et qui ouvre celui-ci. GG à toi. On a ensuite Yann, Terrien en détresse, Amaury Baudouin, Peter Logan, Jus et Julien Adamo. Bravo à vous tous. Je vous rappelle qu'il vous faudra me fournir une petite adresse EGLD, mais qu'il faudra surtout vous armer de patience. Et oui, je me répète, mais je galère beaucoup à upload ces NFT vidéos ces derniers temps. Mais vous inquiétez pas, ma devise est que les bons comptes font les bons amis. Allez, passons à notre Fear and Greed Index côté crypto, qui se trouve à 68 dans la zone de grid. Bon, pas grande surprise, hein, quand on voit le Bitcoin à 28 000 $, un prix dont on ne l'a pas vu depuis des mois, je dirais même des lustres, ça coule plutôt de source. Du côté des marchés US, nous sommes toujours dans la zone de peur à 29. Et je vais profiter de ce petit fear pour introduire mon premier petit coup de gueule du jour. Je ne comprends vraiment pas les gens qui sont heureux du sauvetage des banques et encore plus des personnes qui sont dans le monde de la crypto. Et dire que s'il n'y avait pas eu le sauvetage des banques, on serait en train de payer notre baguette 3 000 €, j'ai envie de te dire que dans tous les cas, c'est ce qui va finir par arriver. Donc pourquoi ne pas arracher le pansement dès maintenant et que tout le monde voit la réalité des choses? Parce qu'au final, ces banques, quand elles font des profits de dingue, c'est entre eux qui se les partagent. Et dès qu'ils font de la merde, c'est à nous de payer. Oui, parce que concrètement, comment on va payer tout cet argent magique? En grande partie, grâce à l'inflation. Donc c'est toujours le contribuable qui finit par payer la merde des autres. Et en plus de ça, on les applaudit. Donc voilà, les mecs qui se torchent littéralement avec notre dignité, et de l'autre, on a une grande partie qui les en remercie. C'est juste what the fuck. Et vous allez voir que dans l'extrait qui va suivre le mien, c'est tout autant what the fuck. Les gens font de la merde, prennent des décisions de merde, impriment de la merde, et se félicitent littéralement de leur boulot de merde. Et après, on se demande comment on a pu en arriver jusque-là. Ben, y a de quoi devenir schizophrène, hein. Ensuite, j'ai un second petit coup de gueule à pousser. Alors s'il y a des annonceurs qui passent par là pour se demander si le Zap Crypto est le lieu idéal pour faire de la pub pour leurs projets, en l'occurrence, tous les projets qui me parlent de trading, de signaux trading, de copy trading, sachez que tous vos projets me cassent littéralement les couilles. Je ne ferai jamais de la pub pour vos projets de merde. Vous êtes aussi lamentable que tous les banquiers du monde traditionnel, toujours prêts à vous faire du fric sur le dos des gens. Et là, je m'adresse à vous, viewers. Comprenez que le trading est un métier et qu'en majorité aujourd'hui, ce sont des bots que vous devrez super former. Et là, je te pose une seule question. Penses-tu vraiment pouvoir gagner face à des entités qui dépensent des milliers, voire des centaines de milliers de dollars pour acquérir et faire évoluer ces bots? Je pense que la question est vite répondue, hein. Et maintenant, vous, les créateurs de contenu, hein. Tous ceux qui font de la pub là, en permanence pour Bybit, CoinEx et j'en passe. Hein. Vous avez pas honte de faire votre fric sur la perte sèche de vos viewers? Parce que oui, vous savez que vous jouez littéralement avec les sentiments des gens. À force de leur mettre de l'eau à la bouche et de faire planer le doute sur le fait que peut-être que votre réussite financière viendrait peut-être du trading, mais mort de rire. Donnez-nous votre track record depuis 2-3 ans qu'on rigole. Vous êtes là à critiquer le monde traditionnel, mais en gros, vous faites pas mieux. Et vraiment, je me demande comment vous faites pour
étape regarder dure. Dans un miroir tous les matins. Je reviens à vous, les zappeurs et zappeuses. Le bullrun se rapprochant inévitablement, l'euphorie va être de plus en plus grande d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Alors, commencez à vous armer qu'elle a envoyé à tout dès monde. Maintenant. Vos créateurs de contenu préférés ne sont pas vos amis. Ils sont là, tout comme vous, pour se faire du fric et pour une grosse partie, ce sera à votre propre détriment. On va vous parler de super projets, de nouvelles technologies, de super plateformes. Et puis, si ça s'effondre, ils feront mine d'être dépités. Et tout comme Madame Lagarde, ils viendront vous dire que tout ça tombe du ciel. Et la triste vérité, c'est que eux auront pris leur chèque. Et ça, ne l'oubliez jamais. Sur ce, vous pouvez enfin vous installer. Comment elle tape dur. Ça y est, ça fait plaisir là. On sent la rage. Ben ouais, mais c'est... En fait, j'ai l'impression qu'elle doit être dans le même truc que moi, à se dire, ouais, bah... L'univers crypto, il y a, bien sûr, il y a de l'entraide. La commu est géniale là-dessus, parce qu'il y a... Elle est moins troll, en tout cas, vu que c'est des adultes, elle est beaucoup moins troll que les autres commus, quoi. Vu que la majorité, c'est des adultes. Parce que normalement, il faut être adulte, hein, pour investir dans de l'argent et tout. C'est interdit aux enfants, normalement, hein. Mais bon, on a quelques petits Hélène qui pop. Qui sont visionnaires là-dessus et qui pop. Mais... Mais je pense qu'elle se rend compte que... Bien sûr, voilà, mais que tout autour, et bah, ça attire des gens qui sont là, pas pour ton intérêt, hein, ils sont là pour leur intérêt, ils vont te vendre des trucs, des bidules, des trucs de trade, des machins, fais ce que je te dis, tu vas voir, avec moi tu vas devenir riche, tu vois. Et comme elle dit, si ça se casse la gueule, après, bah, y a plus personne. Hein. Ah bah d'un coup, ah bah je sais pas d'où ça vient, ouais mais c'est parce que c'est ça, t'inquiète pas, tu vois. Donc, c'est... Elle parle vrai. Et en fait, c'est ça que j'aime bien chez eux. C'est qu'ils vont pas aller chercher les... Tu vois, quand t'as dit les partenariats, les machins, là, nanana, les gens qui me demandent leur truc de leur projet et tout. C'est pas une vendue, en fait. Dans la limite des choses. Et je trouve ça plutôt bien. Je trouve ça plutôt cool que ça soit pas une vendue. Installez confortablement, votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. Merci à tous pour votre force. C'était Zap Crypto. La bonne nouvelle du week-end, c'est que les autorités suisses ont fortement poussé, conseillé, obligé, rayé la mention inutile, UBS. L'Union des banques suisses a racheté crédit. Le crédit suisse a absorbé donc pour une somme totalement symbolique, qui est d'un petit milliard. Ils prennent en charge à leur compte 5,4 milliards de pertes. Et ils ramènent, alors pas eux, pas UBS, Crédit Suisse, juste avant la fusion, ils ramènent à zéro dans leur comptabilité pour 17 milliards d'obligations extrêmement risquées. Elles n'existent plus, elles ne valent plus rien, ce qui a fait extrêmement plaisir aux gens qui détenaient ces 17 milliards d'obligations. Voilà. Mais ça permet de sauver Crédit Suisse, ça permet de sauver la Suisse, ça permet de sauver la réputation des banques suisses qui n'est plus à faire tout de même depuis 1941. Et ça me fait marrer, mais c'est assez tragique. Et on a sauvé, là, tout simplement. Vous n'avez peut-être pas rendu compte ce week-end. Ça a juste sauvé l'économie mondiale. Et si vous avez encore de l'argent sur vos comptes, que vos entreprises fonctionnent, c'est aussi en partie grâce aux Suisses qui ont pris la bonne décision. Et c'est ça qui est très intéressant. Je prends un peu de temps quand même pour vous en parler. Lehman, on a compris, c'est le fameux dicton, trop grosse pour faire faillite. C'est effectivement
C'est effectivement le cas. Et donc, la Banque suisse a réagi, la Banque centrale suisse a réagi extrêmement rapidement et ça a été salué par la Banque centrale européenne. Ça a été salué par le FO, enfin par les. Par la. Ouf! Fatigué par Jérôme Powell. Après, tant que la Fed continue d'imprimer à partir de rien, pourquoi on se fait du souci? Combien de temps ce petit jeu va durer, quoi? C'est la question. Alors, moi, en soi, il y aura de l'encre. Tant que les imprimantes seront branchées et qu'elles fonctionnent. Il y aura du papier, frérot. Mais alors, pourquoi ils font chier de l'autre côté à nous dire que la politique, elle se resserre et qu'il va augmenter les taux si de l'autre côté, c'est pour mettre 300 milliards? Alors, je sais pas. La géométrie variable. C'est ça. C'est deux poids, deux mesures, Peter. C'est que l'argent pour les retraites. Oh là là, il n'y en a pas. L'argent pour les banques, ils en ont besoin. Attendez, j'arrive. Qui a l'argent dans ces banques-là? C'est nous, les petits épargnants. Les banques centrales protègent tout le monde, elles injectent. Ouh, elles protègent tout le monde, vraiment tout le monde, bien sûr. Elles protègent les gens comme nous, les banques centrales. Bien sûr qu'on est au cœur de leur intérêt à ces banques centrales-là. Donc les banques, elles nous grattent des avions, non? Mais attendez. Alors moi, il y a quelque chose qui était très drôle que j'ai lu sur Internet et qui est très vrai. Il faut savoir que sur ces banques-là, il y a des gens qui sont recrutés à coût de millions, c'est ce qu'on appelle des gestionnaires de risque. Ils sont payés des centaines de milliers d'euros et de dollars, surtout aux États-Unis, pour pouvoir faire une gestion de risque et avoir une banque qui soit saine, pour qu'au final, ils prennent les risques de malades, genre ils mettent... C'est Stevie Wonder. Je vais investir là-dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis à la fin, la banque, il n'y en a plus. Et c'est l'État qui arrive et qui dit, bon, vos erreurs, on va les effacer d'un coup de chèque. Voilà, on a imprimé là, hein, y a 3 tonnes qui arrivent de papier, c'est bon, pas de problème, on couvre tout. Ils sont payés pour quoi ces gens-là en fait, au final? Ouais, ça arrive pas dans le monde de la crypto, bizarrement. Si t'en as qui font n'importe quoi, c'est la douche. Non, si t'en as qui font n'importe quoi, t'as Aurore Lalanne qui arrive. Oui, je ne dirai pas son nom par principe. Aurore Lalanne, ouais, qui arrive et qui dit oh non, ce secteur est dérégulé. Aurore Lalanne. Non, ce secteur est dérégulé, regardez ce qui se passe. Et là, pareil. Le secteur financier traditionnel se casse la gueule. Qu'est-ce qu'elle ose dire? C'est à cause des cryptos. À partir du moment où elle donnait raison à SBF et à FTX il n'y a pas si longtemps, écoute, voilà, on va pas commencer à parler. Comme tu dis, c'est du faire de la pub. Amis, du coup, 300 milliards imprimés, ça permet du coup de donner de l'argent aux investisseurs et du coup, ils se font plaisir sur le Bitcoin et c'est ce qui a fait peut-être qu'il est à 28 000 aujourd'hui. Ah non, ça permet de renflouer les trous de la banque. De la banque, de tout ce qui était sorti et qui ne reviendra jamais. Et voilà, et de faire face au quotidien aux affaires courantes, quoi. Mais effectivement, ça réinjecte de la liquidité. Donc, dès qu'il y a un petit peu trop d'argent qui est injecté, ça ruisselle. Ça ruisselle. En fait, le problème de ça va être double. Déjà, d'une, mettez en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là. Est-ce qu'ils ont besoin vraiment d'engager des gens qui font de la gestion de risque s'il y a un gouvernement et un État derrière qui couvre toutes les pertes liées au risque? Ils ne servent à rien pour moi, mais qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-le en commentaire. Deuxième chose, imprimer autant, ça fait perdre de la valeur à l'argent en fait. Hein. C'est pour ça que les gens parlent d'inflation, inflation, tout coûte cher. L'inflation, c'est pas le prix des denrées alimentaires qui augmente forcément. C'est aussi le pouvoir de notre argent qui est en train de baisser. Et pourquoi il baisse? À la guerre en Ukraine? Le dollar, ça fait longtemps qu'il est plus adossé à l'or, hein, les gars. Oui, il paraît, ouais. Ouais, le pétrodollar qu'il y a eu après, et aujourd'hui, il faut savoir que le pétrodollar, ils sont en train de discuter avec le Moyen-Orient, les Chinois, là. Ils sont déjà en train de discuter pour payer. Les BRICS, ils sont en train de faire leurs choses, hein, ça passe pas aux infos. Enfin, les Chinois, ils veulent le payer en yuan. Effectivement, est peut-être en train de tomber. Mais du coup, l'argent qui va être imprimé, ils vont le vendre à qui? C'est fini, ça. Les amis, première news, et une news pas très top pour commencer, avec le président de la commission du budget du Parlement européen qui appelle à l'interdiction des cryptos dans un contexte de turbulence bancaire. Il est pas gentil, lui. Il s'appelle Johan van Overvelt, qui est membre du Parlement européen. Il a insisté sur le fait que les gouvernements devraient interdire les cryptos comme le Bitcoin. Son appel intervient dans un contexte de crise déclenchée par la faillite de plusieurs institutions bancaires, donc deux banques américaines favorables aux crypto-monnaies. Tu connais les noms, on les a vus ça. Et donc, je cite ce charmant Johan qui dit « Une autre leçon à tirer de l'agitation bancaire actuelle, appliquer une interdiction stricte sur les crypto-monnaies, un poison spéculatif et aucune valeur ajoutée économique ou sociale. » Le mec, il a rien compris. Si un gouvernement interdit les drogues, il devait également interdire les crypto-monnaies. Voilà, t'as compris? Les cryptos, c'est comme la drogue, il faudrait l'interdire. Voilà, non mais oh mon Dieu, mon
mon Dieu. Donc Johan est un journaliste et un politique belge. Il a été premier, il a été ministre des Finances de son pays entre 2014 et 2018. Dis donc, ça devait être sympa entre 2014 et 2018. Et donc la déclaration de Johan concernant les cryptos fait suite à la faillite de trois banques américaines, dont deux étaient impliquées dans le secteur des crypto-monnaies. Tu connais, ça, Silvergate Bank et la Silicon Valley Bank, on en a assez parlé. Et les conséquences de ces faillites ont atteint l'Europe, affectant le Crédit Suisse, une banque d'investissement majeure des vieux continents. Et donc les gens, qu'est-ce qu'ils retiennent? Ils retiennent, ben, Silvergate Bank, Silicon Valley Bank a fait faillite à cause des crypto-monnaies. Le Crédit Suisse, il a fait faillite à cause de la Silvergate Bank et des valets de la Silicon Valley Bank et donc des crypto-monnaies. Et donc les crypto-monnaies, c'est elles la coupable. Ils sont pas gentils, les crypto-monnaies. Voilà, c'est l'idée. Comme d'habitude, ils ont tout compris. Bourse en berne, Bitcoin à 28 000 $, la crise bancaire comme un déclencheur d'un nouveau bull run. Ça, c'est la bonne news, parce que c'est CryptoTos qui nous dit ça. Parce qu'effectivement, on n'oublie pas, hein, nous, dans nos têtes quand même, que le Bitcoin, pour ceux qui sont intéressés par la DeFi, par tout ce système-là, on sait bien que la crypto-monnaie, le Bitcoin, la DeFi, ce n'est pas du tout le système bancaire. Hein, c'est quelque chose qui a été justement créé à une époque pour pallier au système bancaire ou peut-être même le remplacer un jour ou l'autre. Bon, ça, c'est d'autres discussions qu'on ne viendra pas entamer ici, on n'aura pas le temps. Mais donc, le Bitcoin, son chemin à lui, la DeFi, la finance décentralisée, auquel vous possédez votre argent, vous faites ce que vous voulez de votre argent et personne ne vous dit « t'as le droit de ci, t'as le droit de ça, t'as le droit de tout perdre, si ça va très mal, on va t'en piquer une partie », le Bitcoin, théoriquement, c'est fait pour autre chose. Ce n'est pas du tout fait dans le même sens que le marché traditionnel. Et à l'époque où on a commencé... Il a commencé à surgir en 2008 par Satoshi Nakamoto, son équipe, etc. On ne sait pas qui c'est exactement Satoshi Nakamoto, mais quand il a surgi, c'est à cause de 2008, hein, évidemment, où il y avait gros problèmes. Eh bien, aujourd'hui, on en reparle un peu dans le bon sens. Aujourd'hui, alors qu'il y a un gros problème, alors qu'on vient de faire un bear market où le marché traditionnel est tombé, la crypto-monnaie qui est un actif risqué est tombée aussi, évidemment, ça coulait de source, comme on dit, eh bien, le Bitcoin, là, il s'est comporté un peu différemment. Alors peut-être qu'on est en train de prendre conscience, ou est-ce qu'on est un peu FOMO, un peu trop FOMO rapidement? Parce que la conscience, on va l'avoir. Moi, je pense qu'avec les années, pour l'instant, c'est un bébé encore qui est en train de grandir. Bon, il est passé de bébé à adolescent, mais c'est un adolescent. Et c'est un adolescent qui est en train d'apprendre la vie, apprendre le monde, apprendre tous les systèmes financiers, est en train de grandir. Donc, pour l'instant, je pense qu'il est encore un peu jeune pour dire que ça y est, on va se détacher du marché traditionnel et on va partir en flèche et on va s'assumer entièrement, complètement. Et finalement, cet épisode n'est pas forcément terminé. On voit que il y a environ 180 banques qui sont dans la même situation que Silicon Valley Bank, c'est-à-dire que ce sont des banques de taille moyenne, régionales généralement, hein, donc qui sont surtout déployées dans un État américain par exemple, et donc qui n'ont pas, fait des investissements aussi hasardeux que ceux de Silicon Valley Bank, hein, et donc qui peuvent avoir potentiellement des crises de liquidité, des problèmes de liquidité, d'autant qu'on a vu que les petites banques, pour le coup, en termes de pourcentage de cash par rapport au nombre de leurs assets, est revenu par rapport au niveau de 2019, quasiment au même niveau de 2019, quand on avait eu la grosse crise du repo, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé hier, mais on voit qu'elle, par rapport aux grosses banques, aux banques principales, hein, sont celles qui sont nationales aux US, hein, donc Citibank, JP Morgan, les très grosses banques, même de retail, hein, c'est-à-dire pas forcément que les banques d'investissement, mais même les grosses banques de retail qui sont nationales. Et donc on voit qu'elles ont un pourcentage qui est beaucoup plus, qui est bien meilleur en termes de cash. Hein. Et donc elles seront beaucoup, s'il y a des bankruns, elles seront beaucoup plus difficiles à déstabiliser. Et donc c'est un peu ce qui amène aussi Tyler Winklevoss, hein, vous savez, le fondateur de Gemini, qui n'arrête pas de souffrir dans cette crise. Lui, il a vraiment souffert à tous les niveaux, notamment, surtout, évidemment, dans l'affaire Genesis, hein, Genesis qui lui doit encore sans doute autour de 700 millions, je crois. Et donc, lui, ce qu'il dit dans un tweet, c'est que finalement, le système bancaire aux États-Unis est très inéquitable parce que vous avez d'un côté ces très grosses banques, comme je viens de vous le dire, ceux qui détiennent de l'argent dans ces très grosses banques ont assez peu de risques parce que finalement, qu'ils soient assurés ou pas, eh bien, la Fed viendra toujours les secourir parce qu'elles sont considérées comme too big to fail et que systémiques, en fait, trop dangereuses pour l'écosystème. Et au final, ils viendront toujours les protéger. Et après, on a les banques plus petites, les banques régionales, qui, elles, sont beaucoup plus exposées. Surtout quand vous êtes des investisseurs non assurés. Hein, vous savez, au-dessus de 250 000 dollars, bon, vous êtes assuré. Mais voilà, il y a aussi tous les investisseurs qui ne sont pas assurés. Et donc, voilà, Silicon Valley Bank, elle a eu de la chance au final. Elle a eu de la chance parce que ça aurait été un cataclysme si elle n'avait pas été sauvée. Mais typiquement, elle aurait très bien pu ne pas l'être. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un certain...
il y a vraiment, et donc il y aurait plein de, finalement il y a plein d'investisseurs qui auraient pu se retrouver en pure perte. Et ce que dit Winklevoss, c'est qu'au final il y a le troisième palier, hein, ce sont les entités qui ne sont pas assurées, donc comme Gemini. Et là on a exactement le cas de toutes ces boîtes crypto qui se sont tous les investisseurs qui se sont retrouvés sans investissement, enfin sans assurance, et qui se sont retrouvés en pure perte. Et donc là il y a vraiment un système inégalitaire, j'en avais déjà parlé, mais là c'est très clair. Les régulateurs ont pris en charge Signature Bank pour protéger les déposants et la stabilité du système financier américain. Après, je ne sais pas si le fait d'imprimer 300 milliards de dollars en une semaine, ça va contribuer à la stabilité du système financier américain. Mais bon, ça peut être une manière de voir les choses. J'attends ton retour en commentaire. Revenons maintenant sur les autres faits assez mystérieux. Il y a un membre du conseil d'administration de Signature Bank qui a déclaré que les régulateurs voulaient envoyer un message anti-crypto. En fait, la Signature Bank n'avait pas de raison de fermer ses portes, mais elle a dû le faire parce que les régulateurs voulaient mettre des bâtons dans les roues dans le développement de la crypto. Suite à cela, il y a le camp adverse qui a rétorqué en affirmant que la décision de reprendre la Signature Bank n'était pas du tout reliée aux activités crypto, mais au manque de données fiables et cohérentes que la banque n'arrivait pas à apporter, selon elle. Il y a également un rapport de Reuters qui a annoncé que la FDIC avait contraint tout acheteur de la Signature Bank d'arrêter les activités crypto reliées à celle-ci. Cette information a été démentie par la FDIC elle-même. On ne sait plus où donner de la tête. Mais bon, ce qui me fait assez rire quand même, c'est que factuellement parlant, ces faillites n'ont rien à voir avec la crypto. Au contraire, elles soulignent les vulnérabilités du système bancaire. Et on a également pu voir une hausse des coûts reliés aux cryptos, comme si les personnes voyant tous les risques reliés aux banques décident de se replier vers les cryptos. Si c'est la raison, c'est une très très bonne nouvelle. Dans tous les cas, nous, si on est dans les cryptos, c'est parce qu'on sait que la crypto est la solution. Avez-vous déjà joué au Monopoly ? Dans ce jeu, il y a une règle assez étrange. La banque ne peut pas faire faillite. D'ailleurs, c'est expliqué très clairement dans les règles. La banque ne faillit jamais. Si elle manque de fonds, elle peut en émettre autant qu'elle le désire, simplement en l'écrivant sur du papier ordinaire. Ça a bugué, je crois. Mais le Monopoly et le monde réel, ce sont deux choses très différentes, n'est-ce pas ? Par exemple, le système bancaire réel est plus complexe. On a d'un côté les banques commerciales chez qui nous déposons notre argent, et au-dessus, les banques centrales, les grands gardiens du système monétaire. Mais alors que se passe-t-il dans le monde réel quand une banque commerciale fait faillite ? C'est une question qui est plus que jamais à l'ordre du jour après les événements des dernières semaines. Le 13 mars, plusieurs banques américaines font faillite, alimentant des craintes de contagion sur le système financier global. En France, le ministre de l'économie prend tout de suite la parole pour expliquer que le risque de contagion est faible et que les banques françaises sont solides. Et quelques jours plus tard, c'est le gouverneur de la Banque de France qui prend lui aussi la parole pour nous assurer que les banques françaises et européennes sont extrêmement solides. Le narratif officiel est très clair, l'épargne des Français est en sécurité et il n'y a pas à s'inquiéter. Mais malgré tout, beaucoup de gens ont commencé à se poser la question : qu'advient-il de notre argent si notre banque fait faillite ? Qui nous protège ? Le gouvernement ? La banque centrale ? Et surtout, avec quel argent ? Pour les quelques prochaines minutes, plongeons-nous dans les méandres des garanties du système bancaire et posons-nous une question très simple : jouons-nous tous, sans le savoir, un gigantesque jeu de Monopoly grandeur nature ? Ensuite, c'est important, c'est officiel, ça sera le 12, entre le 12 et le 14 avril, il y aura la possibilité de stacker les ETH grâce à la mise à jour Shanghai. Coinbase se prépare déjà à une forte demande de stacking. Alors, est-ce que c'est ça qui fait, on va le voir, c'est flagrant, la sous-performance des altcoins par rapport au Bitcoin, et en particulier l'Ethereum ? Je ne sais pas, mais en tout cas, bien évidemment, ça ramènera quelques frissons mi-avril, quand il y aura la possibilité d'unstacker. Après, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, ça mettra du temps, je crois qu'il faudra pratiquement un an, pour que si l'ensemble des tokens stackés veulent être déstackés, il faudra un an, il y a un blocage, et donc ça ne pourra pas se faire comme ça en deux jours, par exemple. Ah, enfin le meilleur moment de l'année,
je te mets une petite ambiance parce qu'on va parler de quelque chose. J'ai tout perdu, j'aurais dû faire un coffre. Qui va faire mal. La déclaration fiscale. Je pense qu'on est pareil, j'ai jamais aimé faire ça. C'est compliqué, ça demande du temps et en plus, on n'y comprend rien du tout. Comme souvent sur YouTube, on parle souvent de comment on entre dans les crypto-monnaies, mais on parle très peu de comment on sort et comment on gère la fiscalité. Bon, pour le comment on sort, j'en ai parlé tout récemment, vidéo juste ici que je te mettrai à la fin. Mais la fiscalité, peu de vidéos. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais t'accompagner dans cette merveilleuse aventure. En regardant la vidéo, tu en sauras plus sur la fiscalité. Je vais tenter de faire efficace. J'ai des dates à te donner. J'ai plein d'infos pour toi qui te faciliteront la vie et te permettront de traverser cette épreuve du mieux possible. Ensuite, on passe bien aux transactions qui seront sur les MNBC. En fait, le rapport de Juniper Research prévoit une explosion des transactions en monnaie numérique de banque centrale d'ici 2030, passant de 100 millions de dollars en 2023, donc à l'heure actuelle, à 213 milliards de dollars en 2030. Alors, j'aimerais bien savoir quand même où se trouvent les 100 millions de dollars en 2023, puisque les monnaies numériques de banque centrale ne sont pas encore là, à part, il me semble, au Nigeria avec le INERA, et potentiellement aux Émirats Arabes Unis, mais il me semble qu'ils ne l'ont pas encore mis en place aux Émirats. Mais par contre, ouais, au Nigeria, oui. Donc c'est la porte si ça vient que de là, je ne comprends pas trop. 100 millions de dollars déjà, alors qu'il n'y a qu'un pays. En tout cas, on verra bien. Mais l'adoption des MNBC, en tout cas, elle serait en fait stimulée par l'amélioration de l'inclusion financière et une augmentation du contrôle des transactions par les gouvernements. Les pays peu bancarisés devraient du coup être les plus concernés, mais d'ici 2030, 92% des transactions en MNBC devraient être domestiques. En plus de ça, le rapport souligne également les défis tels que le manque de développement de produits commerciaux et de plateformes dédiées. Et c'est vrai, parce qu'au final, on aura OK une MNBC, mais si c'est la même chose et le même principe que notre compte bancaire à l'heure actuelle, bon, voilà quoi. Hein. Cette tendance illustre du coup la numérisation croissante des paiements et la surveillance accrue, contrastant avec l'utilisation des crypto-monnaies. Et c'est vrai, puisque en fait, eh bien, les MNBC, c'est contre en fait les cryptos, clairement, puisqu'ils ont bien vu l'explosion des cryptos, l'utilisation massive qu'il y a, il faut pas le nier. Hein. Il y a encore des députés, des gens comme Laurent Luc qui dit que le Bitcoin ne sert à rien. Il sert tellement à rien qu'on nous taxe 30% en France. Il sert tellement à rien qu'ils veulent implémenter les MNBC pour remplacer les crypto-monnaies, pour avoir leur part de marché justement dans les cryptos. Le Bitcoin ne sert tellement à rien que, eh bien, il est utilisé dans de nombreux pays où l'hyperinflation est présente. Pour aussi, eh bien, des causes humanitaires, le Bitcoin ne sert tellement à rien non plus qu'eh bien, Orla Luc n'arrête pas de dire que le Bitcoin c'est mal, le Bitcoin c'est mauvais, c'est lui qui crée eh bien tout ce délire là avec les paniques, etc. Donc le Bitcoin ne sert tellement à rien, il y a tellement zéro valeur qu'ils sont tout le temps en train de devoir le détruire et eh bien le saccager à tel avec des propos un petit peu blessants pour le pauvre Bitcoin quand même. Hein. Et le Bitcoin ne sert tellement à rien non plus qu'ils veulent eh bien détruire en fait le minage de crypto-monnaies en Europe, notamment avec la loi MiCA. Alors voilà. Le Bitcoin ne sert tellement à rien que, eh bien, on a tout le monde, tout, eh bien, les politiques qui veulent en fait détruire le Bitcoin. Mais oui, il sert à rien, bien évidemment. Comme vous le savez, on a eu la Fed, la Banque centrale américaine, qui est intervenue, ce qui fait que ça a augmenté, bien évidemment, les liquidités. Enfin, pas les liquidités, mais ça a augmenté le bilan de la Fed. Alors, ce n'est pas du QE comme on a pu entendre, comment injecter de l'argent, peut entendre très souvent avec le quantitative easing. Là, il s'agit de prêter de l'argent aux banques pour renflouer en quelque sorte leur liquidité, leurs réserves pour faire face vraiment parce qu'elles sont à sec. Les liquidités des banques sont à sec. Alors, il y en a qui disent la dernière fois qu'ils ont fait ça, ben, c'était des bottoms comme en 2020, comme en 2008-2009. Cependant, on n'est pas dans le même contexte que 2009 et 2020. Pourquoi ? Parce que les taux ne sont pas au même niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 2009, les taux, on avait baissé, la Banque centrale américaine avait baissé les taux à 0%, ce qui fait que l'argent qu'elle prêtait était à 0%. Aujourd'hui, l'argent qu'elle prête est aux alentours de 4,75-5%. Et elle prête cet argent-là aux banques qui sont déjà en difficulté. Donc, ce qui fait que ça part encore. Ces banques-là, ce sont des banques régionales. Donc, par exemple, vous avez
KRE qui peut aller voir les banques régionales et vous pouvez constater que les banques régionales sont très fortement impactées. Et vous voyez que de toute manière, elles étaient de plus en plus impactées puisque la tendance était aussi baissière. Alors qu'il n'aurait même pas pu passer là. Depuis maintenant, ben, comme sur les marchés, comme depuis début 2022. Je vais juste enlever ça. Donc, ces banques-là, c'est celles qui prêtent à des compagnies un peu plus à risque, un peu plus de croissance, qui essayent de faire octroyer des prêts plus risqués. Donc, elles, pour renflouer leur liquidité, elles empruntent maintenant auprès de la Fed avec des taux qui sont aux alentours de 4,5-5%. Donc, on n'est pas dans le contexte de 2008-2009 ou 2020, qui signalait aussi des bottoms, puisqu'aussi on avait injecté de l'argent. Là, cet argent-là, elle va le garder au maximum pour elle, puisqu'elle est déjà à sec et que les taux ne sont pas non plus à 0%. Dégoûté, donc, elle va garder ses liquidités pour faire face à, par exemple, des demandes de retrait d'argent ou autre. Donc, voilà. Donc, il faut faire attention avec ce qui est dit, hein, puisque là, on n'est pas du tout dans le même contexte et on n'est pas du tout dans une impression monétaire non plus comme on a l'habitude d'avoir. C'est un petit peu de l'argent, c'est vraiment un secours qui a été fait pour renflouer les liquidités des banques. Mais cependant, les banques ne vont pas prêter plus. C'est ça le point, pour relancer la croissance. Elles ne vont pas forcément prêter plus, puisque justement, le niveau des taux reste quand même très élevé. Alors, du coup, étant donné qu'on dépend de la macroéconomie, on regarde la macroéconomie comme d'habitude. Sur le DXY, on voit qu'on a un très beau rejet ici qui a été effectué sur les 105, une structuration qui est en train de se faire ici. C'est un bug de leur part. Pour l'instant, ce n'est pas marqué. Je pense qu'on pourrait aller retravailler jusqu'au 102 avant de potentiellement avoir un rebond pour ici aller retester les 105. Si jamais ça se fait, ça veut dire qu'on a un marché qui est plutôt OK. Par contre, si on continue à s'enfoncer au niveau du dollar, ça veut dire qu'on va durer un petit peu dans la crise financière US, la crise de liquidité, et le dollar risque d'aller justement retester les 100, ce qui serait plutôt positif sur les autres actifs, notamment comme le BTC, dans lequel on aurait un petit peu de largesse, et c'est un petit peu ce que l'on peut attendre aussi de ce côté-là. On est également officiellement depuis hier soir passé en bull market, puisqu'on a pété tous les EMA ici à la hausse, on n'a plus aucun EMA au-dessus de l'action price. Dans tous les cas, on ne s'affole pas, aucun bull market ne monte en ligne droite. Peut-être ici, on va road to 31 000, petite correction pour checker quelques weekends avant de remonter. Ici, tout le monde dira de nouveau « Ah, bear market » et ensuite « to the moon ». Autre chose importante à prendre en compte, ce sont les banques qui se pètent la gueule. Et depuis que les banques se pètent la gueule, Crédit Suisse, Silvergate et tous ces trucs-là, bah, le Bitcoin réagit de manière plutôt bullish, ce qui est bon, c'est-à-dire que les gens font confiance au Bitcoin, tout comme l'or pump totalement, le Bitcoin aussi, et ça c'est une très bonne nouvelle pour le Bitcoin, s'il pump avec le crash des banques. Peut-être que les gens sont en train de se réveiller enfin et ils se disent « Ouais, même si le Bitcoin des fois se pète la gueule de 60%, au moins on ne pourra pas en imprimer à l'infini, il y en a 21 millions et c'est tout. Une fois que les 21 millions sont distribués, sont minés, impossible d'imprimer des bitcoins supplémentaires. Sur Binance Future, c'est très très rouge au nord, à partir de 28 500 pas mal d'ordres de vente, jusqu'à environ 28 700 pas mal de zones. Donc très intéressant pour les frais de trading d'aller dans ces zones, chercher ces ordres. Et sinon sur les spots, regardez ça, ça met un peu de temps à charger, mais à partir de 28 500, énormément de rouge, et surtout à partir de 29 000, beaucoup de rouge, donc beaucoup d'ordres. Ici on peut voir la taille des ordres avec les vagues. Et au sud, c'est plutôt petit par rapport au nord. Donc beaucoup de gens qui veulent vendre ici, ça signifie des frais de trading. Et ça signifie que les exchanges aimeraient bien aller dans ces zones pour exécuter ces ordres et donc encaisser les frais de trading. Donc c'est simple, un Bitcoin qui casse 30 000, bah, c'est des gros titres. Et c'est ce qui va intéresser des nouvelles personnes et ce qui va pouvoir faire FOMO ces personnes-là. Et du coup, bah, trouver le volume de distribution à de la smart money plus haut. J'en avais parlé, mais n'oubliez pas le prix de production qui va passer dans les 26 000 dollars d'ici un an. Donc ce sera des zones de prix plancher à peu près. On en avait parlé également, mais l'investissement est rationnel sur déjà, BTC. Déjà, je pourrais même pas rentrer tant dedans, qu'on est sous 28 000. Donc là, on va commencer à quitter les zones d'investissement de la smart money. C'est-à-dire qu'ici, en gros, faut bien se dire que c'est le public qui va arriver une fois qu'on va casser les 30 000. Ça me rappelle un petit peu 2019, où il y avait ici la grosse résistance des 6 000. On est passé dedans comme dans du beurre. Et après, le public, il est arrivé pour alimenter le FOMO derrière. Bon, il est plutôt arrivé après les 10 000 de mémoire. Mais grosso modo, voilà. Pour moi, ça serait pareil. Donc oh, ta gueule. Pour moi, ça serait ça. Ça serait ci. Tu t'en sais, frère. T'en sais rien. T'es comme tout le monde. Hein. Tu hésites.
Voilà, c'est que des analyses. Putain, mais merde, je l'avais mon QG, il était là. Je pourrais même pas rentrer dedans si c'était pas le mien. Non? Je pourrais même pas faire ça, genre. Et en plus, ils me disent remplacer le siège. Ça veut dire que je suis encore là, en fait. Genre... Alors si je vais mettre mon QG un peu plus haut, est-ce que ça va faire la même chose? Non, ils me disent remplacer, mais je veux pas le remplacer en fait. Je l'ai déjà normalement, ça veut dire. Mais je le vois plus sur la map. Vas-y, ça me dégoûte. Je regarderai la rediff demain. Voir ce qui s'est passé parce que c'est pas normal, wesh. Il n'y a pas de zombie qui est passé. Il n'y a rien qui est cassé. Ils sont rentrés par la porte ou quoi? Ils ont ouvert la porte ou quoi? Je comprends pas. Je regarderai la rediff. Ah, j'ai même pas envie de jouer, wesh. J'ai même pas envie de jouer à la console. Enfin, de jouer tout court, quoi. Je suis dégoûté, là, ils m'ont dégoûté. Pourtant, c'est qu'une démo, hein, mais franchement... Ça m'a blasé un peu, quoi. Même pas qu'un peu, quoi. Ça m'a quand même complètement blasé.
truc de merde là. Franchement, c'est pas normal en fait. Je crois que même que je vais m'arrêter maintenant pour voir si. Sur la rediff, si je me suis planté quoi. Je replanterai demain peut-être. On verra. Mais là, je suis dégoûté. Il a disparu le QG. J'ai même pas vu taper le drapeau, rien. Ça, je vais voir si après ma. C'est pas le fait de m'être fait revivre ou je sais pas. Que, alors que j'avais le lit, j'aurais peut-être dû construire un lit. Je sais pas. Bref. Peace. À demain. Pour l'instant, vous êtes fiers de ce que vous avez fait. Logique, c'était une grande victoire. Bravo. Alors quoi ? Vous êtes venu ici négocier une espèce de marché. Vous croyez avoir toutes les cartes en main parce que vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce monde ? Allez-y. À vous de jouer. Refondez-le. Éclatez-vous bien. Peignez des arcs-en-ciel ou firmament. Mais n'oubliez jamais que les hommes moutons ne vous suivront pas. Ils aiment mon monde. Ils ne veulent pas... de cette sensiblerie, ils ne veulent pas la liberté ni même le pouvoir, ils veulent seulement qu'on les contrôle. Ils ont soif du confort de l'autorité, et ça vous obligera tous deux à regagner vos petits cocons, inconscients et tout seuls, comme tous les humains. Nous ne sommes pas ici pour négocier quoi que ce soit. Nous avions l'intention de rebâtir votre monde. De changer deux ou trois choses. J'adore l'idée de peindre des arcs-en-ciel au firmament, et toi ? Pour rappeler au peuple ce qu'un esprit libre peut faire. J'ai oublié, c'est facile d'oublier. Avec lui, ça l'est. C'est certain. Il faudrait qu'il y réfléchisse.